Desnuda tu alma, beso a beso hasta sentir que tu cuerpo se derrama como lluvia sobre mí. Por el borde de tu espalda voy a dibujar mi amor sin ocultar esta pasión. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est que celui qui prenne les rênes porte notre nom de famille. Alors voyons un peu du côté de nos cousins. En premier, nous avons Diana, une excellente option. Si l'on tient compte de sa grande trajectoire dans le monde des affaires... Ne sois pas ridicule et épargne-nous tes commentaires. Bon, et alors toi, Daniela? Eh bien, j'en serais enchantée, surtout si on peut en finir avec ce supplice familial. Et bien entendu, faire plaisir à Barbara. J'ai même un plan pour l'entreprise, hein. Je la convertirai en maison de production cinématographique, ce qui manque à Mexico. Bon, alors après élimination, il ne nous reste plus qu'un seul candidat. Diego. C'est toi qui te chargeras de la direction de la Cafetalero pendant que je serai aux États-Unis. C'est la chose la plus sensée que tu aies dite. C'est toi le candidat idéal pour ce poste. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Eh bien, je vous remercie tous de votre soutien. Mais je crois que vous connaissez déjà ma réponse. Je t'en prie. Tu devrais au moins y réfléchir un peu. Je ne peux pas abandonner l'hacienda, ma tante. Tu sais bien que tu peux abandonner l'hacienda, Diego. Ton père n'a jamais vécu là-bas. Ou tout au plus pendant la période de la récolte. Qu'as-tu donc à y faire? Ça me plaît. Et puis j'en ai besoin. C'est ma vie. Mais on ne te demande pas d'abandonner l'hacienda pour toujours. Tu pourrais travailler là-bas du lundi au vendredi et ensuite y retourner le week-end. Diana, bon sang. Je ne veux plus entendre parler que l'on m'éloigne de l'hacienda. En plus, ça me paraît une idée ridicule d'assumer la direction d'une entreprise que je ne connais pas. Moi, je peux t'aider, ne t'inquiète pas pour ça. Pas toi, Daniela. Mais mademoiselle Olivares pourrait t'aider. En plus, tu n'auras même pas à te préoccuper de la cotation en bourse. Qui représente la partie la plus compliquée de ce travail, car c'est moi qui m'en chargerai. Comprenez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai absolument rien à voir du tout avec le monde des exportateurs. Je suis caféiculteur, un travail que je prends très au sérieux. Je représente les caféiculteurs face au Congrès et face au gouvernement. Si jamais je change ma cassette de caféiculteur en exportateur, alors non seulement je l'ai trahi, mais à moi aussi. Non, mon garçon. Non, je crois qu'il s'agit d'une excuse, Diego. Tu sais parfaitement que ton grand-père conciliait les deux activités. Tout le monde s'enorgueillit du fait que notre famille possède ces deux options-là. Diego, fais-le pour toi, fais-le pour ta femme, pour nous tous ici présents. Écoute, la famille de Bérénice vit ici. Ta famille vit ici. Tu ne peux pas continuer à t'isoler de cette manière. Mon amour. Allez, pense-y un peu, s'il te plaît. On ne te demande pas d'abandonner l'hacienda, mais d'aider à résoudre le problème de la Cafetalero. Et en plus, d'ici, tu pourrais tout contrôler et nous pourrons aller là-bas quand nous le voulons. J'ai dit que non. Je connais parfaitement les raisons pour lesquelles vous faites ça. Et je trouve ça honteux que vous essayez de minimiser mon travail pour vous tirer d'une situation difficile. Mais non, Diego, il ne s'agit pas de cela. Si, il s'agit de ça. Et ne joue pas à la petite sœur au cœur pur et innocent, car tu m'as toi-même avoué ce que tu étais prête à faire pour me faire finalement entendre raison. Non, ce n'est pas pour moi, c'est pour toute la famille. Oh, écoute, Diana, ne mêle pas de ça. Laisse-moi tranquille. Je te l'ai déjà dit. Ça suffit. Mais arrêtez-vous.
J'avais souhaité que nous nous réunissions ce soir afin de commémorer l'anniversaire de la mort de Lorenzo. Mais je n'aurais jamais imaginé un seul instant que vous soyez capable de transformer cette réunion en une guerre de famille. Je ne veux plus entendre un seul mot de plus, ni sur l'entreprise, ni sur l'hacienda. Et s'il y a un problème, nous pouvons très bien le résoudre demain au bureau. Ce soir, nous aurions dû être en mesure de célébrer le fait d'être tous ensemble. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que c'est justement le soir où nous aurions dû évoquer sa mémoire, ont surgi ses paroles honteuses et surtout hors propos. Et toi, si tu as un problème avec ton fils, vous le résolverez demain entre hommes. Il n'y a vraiment rien de plus méprisable que de voir un père et un fils se battre comme ça. Et quant à toi, Diego, tu sais quoi ? Franchement, ton attitude ne m'étonne pas. Tu as prouvé que ce qui compte pour toi, c'est premièrement toi, ensuite toi, et pour finir, toi. Crois-moi, je ne te demanderai plus jamais le moindre sacrifice parce que tu le ferais contre ta propre volonté. Parce que toi, mon pauvre Diego, tu ne fais preuve d'absolument aucune loyauté envers ta famille. Tu n'as aucune attache, aucune tendresse. Grand-mère, tu sais bien que tout ceci est faux. Alors, Diego, prouve-moi donc le contraire. Excusez-moi. Quel merveilleux dîner, comme c'était agréable. Excuse-moi, grand-mère. Tout cela est un piège. Ils veulent que je sois loin de l'hacienda, car ils ont peur qu'elle revienne, surtout depuis que Barbara a perdu son enfant. De quoi ont-ils peur? Que tu t'en ailles avec ta saisonnière ou quoi? Non. Ça, ça leur ferait trop plaisir. Ce qu'ils craignent vraiment, c'est que nous ayons un enfant. Tout le monde sait qu'elle est tombée enceinte lorsque nous nous sommes connus. Et le pire dans tout ça, c'est que Diana est de leur côté. Elle passe son temps à donner des conseils à Bérénice et veille à ce que notre couple marche bien. Elle est horrifiée à l'idée que son petit frère finisse dans les bras d'une saisonnière. Diego, s'il te plaît, pourquoi tu te fais du souci avec des choses pareilles? Il y a mille et une manières de se défaire de la famille. Arrête de te battre comme ça, écoute. Tu sais, grand-mère et Diana, elles souhaitent que tu aies un fils. Alors fais ce que tu as à faire. Diego, enfin! Non, parce que ça, c'est justement le problème. Si j'ai un fils, c'est avec Paloma. Et ta femme, alors? Jamais, jamais. Je n'ai jamais rien fait avec Daniela. Pourquoi crois-tu que notre mariage réjouit autant Barbara et Fabien? Parce qu'ils ont la certitude que Bérénice n'aura jamais un enfant. Diego, écoute. Moi, quoi que tu fasses, tu as mon total soutien, je te soutiens. Je me fiche de l'avenir de la famille et celui de l'hacienda. Je te demande une chose. Ne cède pas à la pression. Fais ce que tu veux faire, ok? Je savais que je pouvais compter sur toi. Mais oui. Bien sûr que oui. Dis-moi. Tu me jures que tu ne ressens vraiment rien pour Bérénice? Comment te l'expliquer? Voilà. C'est une excellente compagne. Je l'estime, je l'aime bien. Mais c'est tout. Et c'est tout ce que je lui ai promis.